Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song. Donc bonjour, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la création d'un serveur épisode 2 avec Linux Files. Voilà, donc j'ai ouvert VMware Workstation et on va réouvrir donc ce fichier, ce dossier, et donc tuto machin PHP à page 2, voilà. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait installé MySQL, donc avec les commandes celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Donc ensuite on va continuer avec Apache 2 et PHP 5. Donc PHP 5, je sais pas exactement si c'est nécessaire, mais bon, vaut mieux le mettre au cas où, et puis ça coûte rien, donc bon. Il me semble que c'est pour les websites, pour les sites quoi. Donc ok, donc VMware Workstation 9. Alors là, on peut voir que j'ai plus de machine virtuelle. Mais en fait, ça peut vous arriver vous aussi, je sais pas. En fait, il faut faire Open Virtual Machine. Hop, vous revenez dans à l'endroit où vous avez mis votre machine virtuelle. Donc moi, par exemple, c'est Document. D'ailleurs, c'est par défaut Document. Donc si vous n'avez rien touché, c'est à Document. Document, vous cherchez dans votre liste là. Et à un moment donné, vous allez arriver à Virtual Machine. Donc on double-clique dessus. Hop. Et moi je l'avais appelé celle comme ça, CentOS LCEP2. Donc hop, vous sélectionnez ça, très bien. Donc voilà, quand je vous ai quitté dans la vidéo, j'ai mis en même temps sur pause en quelque sorte le système, vous voyez. Hein. Et donc là on fait résume this virtual machine. Alors oui, ça répond pas, ça peut prendre un certain temps, hein, c'est quand même... Bon, je suis assez indulgent avec ce logiciel parce que bon, je me dis que il est quand même en train de lancer un deuxième ordi, donc voilà, c'est... Donc là, on va devoir entrer les commandes sur le terminal pour Apache 2, etc. Donc on va voir ça. Et puis ensuite, on passera à Navicat. À l'installation de Navicat. Très bien, ok, alors, bon, ok, voilà, donc on en était là, parfait. Donc, si entre-temps, bon, normalement, logiquement, entre-temps, ben, vous avez juste cliqué sur la vidéo, mais depuis l'autre, mais bon, si jamais vous avez éteint, tout, fermé, hop, machin, fermé le terminal et tout, bon, MySQL sera déjà installé, donc ça c'est bon. Mais il faudra, parce que là il n'y aura pas écrit root, il faudra écrire su. Donc vous faites entrer, ça va vous demander le mot de passe, vous mettez votre mot de passe, il ne sera pas écrit, mais ça va l'enregistrer quand même. Et donc du coup, vous pourrez taper la commande. Donc, voilà. Donc, on va. Apache 2. Donc, on sélectionne ça, clic droit copier, donc yum install httpd. Et clic droit, coller. Donc on fait entrer. Voilà, ça va s'installer. Tranquille. Hop, juste décaler ça. Voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'il vous demande des trucs comme ça, Y ou N, donc yes ou no, Y évidemment. Hein. Ah, mince. Tac, rec, voilà. Voilà, donc complète. Ensuite, donc là, on prend cette commande là, pareil, clic droit copier, donc chk config machin, donc copier et coller, entrer. Donc là c'est normal que ça fasse rien. Et ensuite pareil, là le dernier,
enfin la dernière commande pour Apache, copier. Donc c'est slash etc slash ini machin. Hop, et coller. Entrée. Voilà, completed. Ok, bon, maintenant PHP 5. Pareil, encore une fois, vous sélectionnez ça. Donc copier, donc yum install PHP, coller, entrer, hop, yes. Est-ce qu'on entend bien au moins dans la vidéo là? Ouais. Ah, c'est, ça a l'air moyen. Bon, on verra bien. Ça devrait être bon quand même. Voilà, et donc pour finir, tac, copier, donc le dernier là, tout en bas, coller, et là, entrer, voilà, donc c'est bon. Donc là, tout a été, c'est bon, tout est bon, donc maintenant on peut quitter, donc fermer le terminal, et on va installer Navicat maintenant. Alors, Navicat, on va fermer ça, parce qu'on n'a plus besoin. Et alors, on va voir, non, c'est pas ouvert, donc je vais réouvrir ça. Ah oui. On a, vous avez le lien qui est quelque part, je crois, ici, setup serveur, machin. Voilà, le lien ici, voilà. Link of download, Navicat for Linux. Mais pff, je suis bête, je vous l'ai mis déjà dans la description. Donc vous aurez juste à glisser le document. Donc copier et hop sur internet. Vous aurez juste à coller le document, le faire glisser. Enfin, je vais vous montrer de toute façon, ça, c'est simple. Hop. Tac, contrôle V. Très bien. Ok, je vais vous faire une petite ellipse parce que j'ai pas envie que vous attendiez. Hop, alors. Donc voilà, alors on est bientôt fini. On y est presque. Voilà. Alors, donc, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, vous avez votre machine et votre dossier. Donc, tout simplement, hein, vous le glissez. Hop. Alors, par contre, oui. Quand vous le glissez, il y a une petite croix, mais il faut attendre qu'il y ait cette main là. Enfin, cette main avec le document. Parce que si vous attendez pas qu'il y ait ça et qu'il y a encore la croix, bah, ça va vous faire une erreur. Donc, il faut attendre. Voilà. Donc, c'est pas loin, hein, en général. Hein. Ok, donc, ça, oui. Voilà. Alors, que je ne me trompe pas. Ouais, bon, double clic. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est une archive. Voilà, donc on a MyNavicat, machin. Alors, on va l'extraire. On va le mettre là. Tiens. Alors ensuite, maintenant il faut aller dedans. On lance Navicat, lancer. Donc voilà, il vous demande d'installer Win. C'est pour lire les points .exe sur Linux normalement, mais ça ne sert absolument à... Ah tiens, c'est bizarre ça. Ça ne sert absolument à rien puisque... enfin, moi personnellement, ça marche pas. Et non, vraiment, ça me... Je trouve ça très bizarre parce que j'avais pas eu besoin de...
de la clé d'enregistration. Alors, très bien, mais où en trouver une? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse de 2 secondes et le temps d'en trouver une, et puis je reviens dessus. Ok, donc bon, je me suis pas enregistré, hein, j'ai rien trouvé. Tant pis, je chercherai plus tard et je vous en ferai part si je trouve. Mais malheureusement, j'ai rien trouvé pour l'instant. Bon, tant pis, hein, pour le moment. C'est pas grave, on trouvera. Bref, donc, connexion name. Ouais, parce que là, on n'a aucune connexion, il faut en créer une, donc. Genre, on va mettre en full screen. Hop, voilà. Voilà. On va l'appeler LC épisode 2. Voilà, ok. Donc, on l'ouvre, évidemment. Alors là, on va faire clic droit, New Database. Et on va l'appeler New. Mince. New Project. Non, pas le tirer comme ça, c'est le tirer vers le bas. Ok, donc encore une autre. En fait, il faut en faire 4. Donc, New Project DB. Ensuite, DB Hot. Alors, copie. Comme ça, au moins, ça va aller plus vite. En fait, c'est que dans une de mes mains, en fait, j'ai le micro, donc je peux pas. Je peux pas écrire très vite en fait. Et la dernière, on l'appelle New Project Post. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut quitter. On quitte, on fait système, fermer la session, changer d'utilisateur. Autre route, route et le mot de passe route LCEP2 GLC pour ma part. LCEP2 donc ça c'est normal, hein. Ça vous le mettra vous aussi. Donc, alors, donc là il faut aller dans système, non, non, voilà, poste de travail, système de fichiers, USR, lib. Et donc il faut chercher libcrypto, crypto. Au-dessus, je pense. Voilà. .so.dist. Donc voilà, on fait clic droit, copier, clic droit sur rien en fait. Enfin, clic droit là voilà, au milieu, coller. Hop, on le renomme. Donc on enlève le truc copie. Tac. Et il y a un espace devant. Et on l'appelle. On change le dist par mince. Mince. À chaque fois, il faut appuyer sur numpad parce que ça m'énerve. Ça. Oula. Oui. Bon. Et lib. SSL, je crois.
libssl, c'est bien ça. J'allais trop loin. Libs. SN. SP. SSL. Voilà. Libssl.iso, machin. Donc clic droit copier, clic droit coller, clic droit renommer, on enlève le copie et on remplace le 10 par un 6. Voilà, donc on peut fermer ça. Maintenant, on va installer, il faut installer la machine sur, je crois que c'est sur cette session, il me semble. Je sais pas exactement, bon, on va le faire sur cette session. Oh, c'est pas vrai. Ah, machine non plus, je l'ai pas pris. Quoique. La machine. Ouais, bon. Ok. Très, très, très bien. Alors. Donc, vous l'aurez, hein, normalement. C'est pareil. Donc, lien pour Linux Files. Ok. Tac. Moi, je vais chercher. Linux, Hamachi, et je reviens tout de suite. Voilà, donc ça a été assez rapide, hein. Donc, tout simplement, on prend ça, hop, on le copie là. Alors, ça ne veut pas marcher. Ah, peut-être les. Peut-être. Bon, je pense qu'il faut le télécharger en fait dessus, donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, bah, d'ailleurs vous aussi du coup. Bon, alors on va se connecter à internet. Et donc, alors je sais pas si on va pouvoir le trouver comme ça. Ouais, normalement oui. Voilà, donc là, hop. Là, très bien. Enregistrer. Non, non, hop. Enregistrer sous, ok. Voilà, parfait. Hop, on le met là, sur le bureau. Ah non, on peut pas. Donc faut qu'on quitte ça. Tac. Et donc, là, raccourci, téléchargement. Hop, on glisse sur le bureau. Très bien, alors on double-clique dessus, on l'extrait, je. Oh là, je suis pas sûr du coup pour là. Si. Si, 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 si. On l'extrait. Voilà. Il n'y a pas un truc. Non. Donc on va dedans, on fait clic droit, ouvrir dans un terminal. Donc là, on fait. Ah ben il n'y a pas besoin de faire SU, il y a déjà route, vous voyez, parce qu'on est sur la session route, donc c'est bon. Donc, alors, il faut que l'on fasse point slash install. Non, attendez. Si. Install. Je suis un peu maladroit. Point sh. Ok. Ça y est, c'est fait. Donc, maintenant, on va faire. Hamachi help pour connaître toutes les commandes. Voilà, et donc alors attendez, il faut qu'on fasse Hamachi login. À chaque fois qu'on entre dans un terminal pour utiliser Hamachi, il faut faire ça. Donc, vous allez voir, c'est là le plus extraordinaire. C'est pas que c'est compliqué, non, mais c'est ça va être marrant. Je sais pas, moi je trouve ça marrant. Bizarre, mais bon. Alors, donc là, on a fait ça. Ok, donc là, on fait Hamachi
Espace. Ah, plus beaucoup de batterie. Hop, voilà. Oula, oula, non, 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 mais ça va, hein. Désolé. Alors, 7 tiré Nick. Donc là, on choisit son pseudo sur Hamachi. Donc moi, je vais l'appeler Julien Serveur EP2. Bon, c'est long, mais bon, on s'en fout. Voilà, setting nickname, ok. Et là, en fait, on va créer un réseau. Et en fait, on a toutes les commandes en haut, en fait. Donc là, par exemple, create machin. En fait, à chaque fois, avant, il faut écrire Hamachi, voilà. Hamachi entre parenthèses commande. Donc voilà. Donc on va faire Hamachi, Machio. Non, Hamachi. Espace create espace serve EP2, ça c'est le nom, espace 1 2 3, ça c'est le mot de passe. Donc s'il a été ok, donc c'est bon, ok, parfait. Donc il n'a pas été utilisé, donc tant mieux. Ma feuille, ça m'énerve, non, parce que ma feuille elle s'envole, il fait tellement chaud que j'ai mis mon ventilateur. Bon, je raconte ma vie, moi. Très bien, donc maintenant c'est bon, on peut quitter. Ouais, donc voilà. Hop. Et je crois même qu'on peut même quitter la session. Alors, je vais juste vous montrer un truc du coup. On ouvre Hamachi. Oui, alors faut pas regarder les réseaux parce que sinon on n'est pas arrivé. Donc là, on l'a appelé serveur EP2. Et donc vous allez dans rejoindre un réseau, hein. Et 1, 2, 3, entrée. Ok, j'ai dû me tromper. Serveur EP2, j'ai pas mis comme ça. Ce réseau n'existe point. Peut-être j'ai fait une bêtise alors. Ah, attendez. Ah non, serve EP2. Voilà. Voilà, et là on voit donc le truc. Et donc on voit d'ailleurs l'adresse IP. Donc là on peut fermer, bon de toute façon ça reste ici, hein. Et on peut fermer donc ça, fermer la session, changer l'utilisateur. Et donc là, les amis, on arrive vers la fin. Ok. Donc voilà, on arrive vers la fin. Je sais pas combien ça fait de temps que je tourne. 22 minutes en plus, hein, c'est tout. Bon, mais tant mieux. Donc, mot de passe, ça on avait dit que c'était. Alors voilà, c'était 1, 2, 3. J'ai mis 30 minutes à le chercher tout à l'heure, hein. Heureusement que j'ai fait une ellipse parce que sinon. Et donc, on va aller dans système, administration, pare-feu. Il faut le désactiver, hein, surtout parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, fermer, hop, c'est fou ça. Ah oui, demande d'authentification. Donc là, truc route, LCEP2GLC. Tac. Et là, on va faire, c'est désactiver, appliquer. Oui. Fermer. J'ai dit fermer. J'ai dit fermer. J'ai dit fermer. Ah oui, d'ailleurs, pour faciliter les. Ah mais non, je peux pas faciliter les choses. Je peux pas. Non, parce que j'allais vous proposer de vous donner en fait un fichier mince, voilà, des serveurs comme ça déjà configurés avec les IP, mais c'est impossible puisque chacun a une IP différente. Donc voilà. Bon, tu t'en vas s'il te plaît. Le pare-feu est désactivé. Donc j'ai plus besoin de toi. On a un petit souci. Enlever le tableau de bord. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Nouveau tableau de bord.
Bon, on va mettre ça dans le coin, hein, puisque, bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc, ça commence à me briser sérieusement. Alors, une minute. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant. Ah oui, donc maintenant, il faut aller dans le terminal. Donc, SU. Mot de passe. Et là, non, attendez. Service IP table stop. Ok, c'est bon. Voilà. Oula, mais il y a un sérieux problème, j'ai l'impression, là, les gars. Ah oui, il y a un sérieux problème, je... Oui, carrément, oui. Ah, voilà. Bon, on peut fermer comme ça, attends. Donc, ensuite, maintenant, pour ce qui est de la machine, tout est prêt, tout est configuré, tout est bon. Alors, on va juste faire un truc. On va ouvrir ça. Donc, lancer. Donc, MySQL, quoi. Enfin, Amachi. Oh là là, mais ça m'énerve. Mais ça me gêne vraiment, quoi, parce que. En plus, sur mon autre machine virtuelle, ça avait marché, pourtant. Il n'y avait pas de problème, je. Bizarre. Bon, alors. On prend ça, on ouvre. On va dans Fixed Database. Donc, on ouvre. New Project Data, hop, on glisse ça là. Application lancée de quoi? Ok, alors je crois que ma machine commence à avoir des petits problèmes. Je sais pas, elle est peut-être malade ou quoi, mais. Bon. Ah, voilà. Même pas, hein. Normalement, c'est censé me demander quand même si. Non, non, je sais pourquoi en fait. Il faut que je glisse d'abord ce fichier ici. Voilà pourquoi. Donc, oui, voilà. Donc, Navicat, on lance Navicat. Trial pour l'instant, hein, tant pis. C'est comme ça. Donc LCEP2 machin, les project data, on ouvre ça à côté. Et donc oui, c'est bien ça. Hop, on lance ça, on met ça là. Alors déjà ça commence bien. Merci beaucoup. Bon, ce qu'on va faire, on va redémarrer la machine parce que là il y a un sérieux problème. Donc voilà, je redémarre. Je fais une ellipse parce que sinon c'est un petit peu la merde en ce moment-là. Voilà, donc j'ai redémarré. Voilà. En grand, on va mettre Navicat, lancer, c'est parti, c'est la fête. Day, ouais. Ouais, c'est chaud, quoi. On trouvera. Ok, donc ça, data, on nous ça à côté. Voilà, start. Hop, ça ici. Ensuite, DB. DB, hop, start. DB hot. Pareil, c'est pareil. Et enfin, post. Le plus rapide, hein. Hop, done, c'est bon, c'est déjà fait. Donc maintenant on attend les restes. Je pense que la première ce sera celle-là, deuxième celle-ci et ensuite celle-ci. Ah, même pas sûr. Oh, elle arrive en première position, trop forte quand même. Voilà, on fait voilà. Quand on s'ennuie, on n'a qu'à faire la course des databases qui sont le plus rapidement mises. Donc voilà, on a nos databases là.
Voilà, donc on va aller directement dans New Project DB Hot. Et on va. Ah oui, alors. On va aller dans T-Users. Et en fait, on va tout supprimer. Supprime. Et BG Users aussi. Bon, là, il y a des. Alors là, voilà. Là, bon, vous pouvez garder si vous voulez. Après, on peut faire donc plus, hein, normal. On en crée un nouveau. Et par exemple, moi, je vais marquer GLC. Donc, bon, GLC, je dis ça depuis tout à l'heure, mais ça veut dire Gamer Last KO, quoi. Hein, pour ceux qui savent pas. Bon, cache, je m'en mets plein, mais en fait, pour l'instant, ça sert à rien puisque il n'y a pas le module, enfin, le petit logiciel qui permet. Enfin. Comment dire, le petit plus par rapport au serveur qui permet de d'avoir le cache de enfin d'acheter avec le cache, voilà, j'y arrivais, hein. Mais je sais pas comment, va falloir que je cherche ça, mais je cherche ça, mais dis donc, j'ai du mal. Va falloir que je cherche ça sur lckb.net et pareil, je vous tiens au courant dès que c'est bon. Donc sauf que c'est pas tout de faire un mot de passe et un pseudo. À chaque fois, il y aura besoin d'aller ici. Oui. Ah, je suis bête, moi. Ouais. Incroyable ça. Donc vous allez dans password hash. Vous ouvrez ça. Donc on a un petit logiciel qui s'ouvre. Hein. Donc username, password. Donc vous mettez le username et le password que vous avez mis. Voilà. Et puis là vous faites calculate, hop, et là vous avez un truc qui apparaît là, vous sélectionnez, vous faites copier donc toute la bande là, et vous collez ici dans password. Voilà, c'est un truc qui sert absolument à rien, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin personnellement je vois pas où est l'utilité, mais bon, tant pis. Donc là pour ce qui est de la base de données, c'est bon. Si vous voulez. Enfin, je vous montrerai comment on fait pour. Ouh là, y a un petit souci de. Ah, c'est bon. Je vous montrerai comment on fait pour. Ah, mais non, c'est bien ça, y a un souci là. Ok. je vous montrerai comment on fait pour changer les rates, hein. C'est pas compliqué en fait. C'est à peu près, enfin normalement j'en suis pas sûr parce que j'ai pas vraiment testé, mais j'en suis sûr à 90%. Tout simplement, en fait, vous faites comme les autres LC, LCEP1, vous utilisez un logiciel de rate changer, et en fait, après vous faites clic droit dump SQL files, du coup ça va vous refaire un point SQL, et là vous le mettez sur Linux, ça sera pas compliqué. Enfin, je vous montrerai un petit peu comment on fait dans une autre vidéo plus tard. Donc là c'est bon, on a la base de données qui est OK. Donc là on peut fermer la fenêtre. Donc là ça touche vraiment à sa fin. Donc ça pour l'instant on peut le mettre de côté, hop, tant mieux. Et on va s'attarder sur ça. Voilà, on va aller dans Server Files machin. Donc c'est là que on va mettre. Non pas encore. Donc on va aller dans Hamachi. Et on va sélectionner là ça, on va faire clic droit et copier l'adresse IPv4. C'est voilà. Donc hop, on peut quitter. Et maintenant, hop. Alors surtout, c'est très important. Faites-le sur Windows. Hein. Ne le faites surtout pas sur Linux parce que tout simplement, ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Puisque ça va pas pouvoir lire les fichiers .bin ou je sais pas quoi là. Donc en fait, voilà ces fichiers-là. Donc on ouvre. Et partout où il y a cette IP là, vous allez remplacer, vous enlevez ça et vous mettez à la place votre IP Hamachi. Donc, enfin l'IP Hamachi de votre serveur quoi. Donc, coller, hop, sauvegarder. Et pareil là, hein, tous les fichiers qui s'appellent new stom, un nom qui veut d'ailleurs rien dire, ben c'est avec, il faut tous les modifier comme ça. Il faut tous les modifier. Hop, coller, ok. Là où il y a écrit 127.0.0.1, faut laisser. Ça, faut laisser. En fait, faut tout laisser sauf l'IP, quoi.
En fait, voilà, ce qui nous permet normalement d'avoir le cache, en fait, c'est ça, c'est le billing serveur. Mais en fait, il n'est pas compris là-dedans. Mais j'ai un autre truc où il y est, donc je sais pas, je vais peut-être l'utiliser et je vais voir justement et je vous tiens au courant dès que c'est possible. Voilà, hop. Donc partout, hein, partout, 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 vous changez cette IP là, 192.168 machin machin, par votre IP MHI. Partout où elle y est. Collée. Et je répète, elle ne sera que dans les fichiers qui s'appellent new stub. Alors il y a point bin et après il y a, enfin là il y a les new stub point bin et après il y a les new stub point min bin, mais avec que des tirets derrière, enfin c'est n'importe nawak, mais là aussi ils y sont. Donc c'est pareil, il faut tout 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 changer. Voilà. Donc bon, faut même pas chercher à comprendre, hein. On fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout. Même moi je. C'est pareil. Alors ça on change pas, hein. Donc, on sait très bien que c'est pas cette database et tout, mais apparemment faut laisser. Puis bon, quand je sais pas trop, vaut mieux. Je préfère ne pas toucher, comme ça au moins. Login serveur. Coller. Ça faut laisser par contre. Ce que je vais faire, c'est que j'espère qu'on m'entendra quand même bien là. Bon, de toute façon, c'est bon. C'est juste histoire d'aller le plus vite et après, c'est bon. D'avoir les deux mains libres quoi. Voilà, hop, on revient. Messenger. Pas beaucoup, ça va. Hop, on ferme, oui. Et donc voilà, c'était le dernier qu'il fallait faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc voilà notre machine, on va prendre server files machin, on va le glisser jusque là-dedans. Hop. Donc on laisse faire. Alors, on va remonter ça en haut parce que. Hop, voilà. On a ça. Donc, ça, je sais même pas à quoi ça sert. Afficher. Qu'est-ce que c'est exactement? Level max 235. J'espère qu'il y a les armures pour. Donc, alors là, il y a un start.sh que j'ai. Que je vous ai fait en fait je vous ai mis je vous l'ai mis dans un fichier rare avec IP Editor, donc ces deux fichiers ils sont dans la description de la première partie. Je sais pas, je vous mettrai peut-être tous les liens aussi dans la seconde partie, donc dans celle-là, ou alors je dirais que c'est dans la première partie, enfin, on verra. Et voilà, donc franchement ça apparemment il le faut, mais je sais pas pourquoi.
que personnellement, j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Ok, alors bon, normalement, donc maintenant on va aller dans notre donc on va dans le client, donc cette lascao, et vous prenez IP Editor et vous le glissez dedans. Enfin, ou alors, enfin, vous pouvez le laisser ailleurs, mais en fait, vaut mieux qu'il soit dedans, au moins on sait où il est quoi. Donc vous allez sélectionner Open. Donc Eternity c'est non. Vous cherchez votre dossier là où est votre client. Et donc vous allez dans alors voilà, vous sélectionnez sl.eta, vous faites ouvrir. Et en fait vous changez l'IP qui est là par votre IP de votre serveur et save. Et vous faites attention que ce soit au même endroit. Donc c'est bon, enregistrer, fermer. Voilà, donc ça on peut le mettre de côté. On le garde hein, quand même parce que voilà. Donc ensuite, on va pouvoir lancer Game Server. Alors j'espère que ça va pas bugger parce qu'apparemment d'après le start, ouf, pourtant je vois pas ce que j'aurais oublié. Alors ça c'est normal les erreurs. Hein. Non franchement je vois pas ce que j'aurais oublié. Enfin, en même temps si je l'ai oublié, c'est sûr que je risque pas de le voir. Bref, je crois qu'il faut toujours relancer les runs 2. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là? Impossible. Alors, on va relancer le run 1. Ouais, c'est mieux en fait. Ok, helper. Run. Ah ouais, voilà. Je me disais aussi, il y avait un truc qui allait pas. Donc voilà, vous lancez comme ça tout. Sub helper. Avec run, hein, et lancez dans un terminal. Hop, parfait. Messenger. Run, tac. Login serveur, pour finir, dans un terminal, toujours. Pas changer les habitudes. Et donc voilà, donc là normalement vous avez je crois 5 fenêtres d'ouvertes. Pas sûr. Pardon. Oula. Ah mais c'est bon en fait. Ok. Ça c'est game server. J'imagine. Oui. Sans doute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça en fait 6. Et je suis bête parce que j'ai mis tout ça sur le côté alors que j'ai besoin d'y aller sur le côté. Ça c'est juste en fait pour voir les logs déjà. Donc tout simplement, je vais voir. Alors par contre, ce qui me gêne un petit peu personnellement, alors vous je sais pas, hein, mais moi ce qui me gêne c'est que le client est en allemand en fait. Et bon, c'est pas que je connaisse pas l'allemand, mais c'est que je suis pas très fort en fait. ROMS 94 123 123. Ok, et enfin bon, ça, on s'en fout un petit peu en même temps. Mais. Oh, alors oui. Mais le problème c'est que. Enfin voilà quoi, je préfère que ce soit en français quoi, hein, normal. Ok, donc faut pas lancer avec ça. Faut pas lancer avec ça, surtout pas LC. On quitte. Ouais, si ça veut bien quitter. Oui, bon, ça j'ai compris mon gars. On va dans bin et on lance avec NKSP multi, donc en double clic. Hop, on met un petit. Ça c'est pareil, on peut mettre un petit, hein. On va mettre sur le côté. Hop. Et on a Lascao qui se lance. Oui, donc voilà, le problème c'est que c'est en allemand et ça serait mieux d'être en français. Alors, pour une fois, je vais demander si quelqu'un a une solution pour mettre ça en français. Surtout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça serait vachement sympa pour tout le monde. Et voilà. Donc, parce que j'en ai vraiment
aucune idée. Et surtout qu'il y a à peu près un an, je crois, un an, il y avait un site qui proposait des petits logiciels comme ça qui changeaient justement de langue. Alors, c'était pas à 100% fonctionnel, ça changeait pas tout, tout, tout. Mais c'était déjà un début, franchement, parce que ça changeait bien au moins les trois quarts des mots. Hein, donc, c'était pas mal, franchement. Donc, il y avait quelques quêtes qui étaient encore en anglais ou en allemand, enfin, de la langue d'origine. Mais franchement, ça allait. Donc, nous voilà, hein, donc ça touche à sa fin. Donc, j'avais dit Roms 94. En fait, c'est pour tester le compte de l'admin, en fait, de base. Parce qu'il y a déjà admin, celui-là. Hop, ok, donc voilà, on est connecté. Ok. Ah, en fait, il n'a pas de. Ah, très bien. Bon, d'accord. Bon, on va faire créer. Alors, là, malheureusement, on n'a pas encore les deux dernières classes qui sont sorties. Pour ceux qui sont au courant, bon, j'imagine que vous l'êtes. Moi, je suis au courant parce qu'il y a peut-être un mois, je suis allé pendant peut-être 10 minutes sur LCFR. Mais je suis pas retourné et j'ai vu qu'il y a deux classes qui sont sorties en fait. Ce sont les alors en anglais ça fait ex-rogue, donc c'est les voleuses, mais je sais plus trop ce que c'était exactement. Et les archimages. Enfin bref. Donc on a titan, chevalier, donc tout ça normal. On a le magicien sombre, hein. Enfin bon, je pense que maintenant, on va pas, hormis l'épisode 1, maintenant c'est même plus la peine de dire ah, il y a mage sombre, parce que bon, ça fait tellement longtemps que ça y est, que ça devient même normal qu'on ait un mage sombre. 4, 5, ah d'accord, on a les 5 faces, ok. Donc on va en créer une vite fait, hein. On s'en bat les couilles. Pardon. Voilà, bon, voilà. S'en fout du nom. Ah, si, ok, on s'en fout pas trop en fait. Bjinino. Voilà, donc voilà, je vous montrer un petit peu le truc. Donc bon, on commence comme ça. Donc vous allez voir hein, cette fois. Donc pour vous montrer que c'est pas comme l'autre, l'émulation que je vous ai montré l'autre jour. L'autre jour, ça fait peut-être presque un an, donc on va pas dire l'autre jour, hein, on va dire plutôt l'année dernière, quoi. Donc comme c'est pas comme l'autre que je vous ai montré l'année dernière, du coup. Parce que franchement, il y a pas mal de choses qui changent, du coup. Hein. Bon, c'est pas visuel au premier coup d'œil, mais ça se sent rapidement, puisque là, c'est jouable. Hein. Regardez, on a les quêtes qui n'y étaient pas avant. Hein. Hop, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je crois qu'il faut aller voir un mec. Donc on a les quêtes, on a les. Alors, hop, je te tape toi. On a les. Je crois quasiment les tout derniers pets qui existent. Alors, je sais pas les derniers derniers, mais on a les aigles qui sont assez récents, il me semble. C'est pas très vieux non plus. Il y a les aigles, il y a bien sûr tous les P2. Hein. Donc item shop, bon, là il n'y a pas le billing serveur, donc je vais voir pour le mettre. Voilà, c'est billing serveur error. Vous voyez? Donc ça, franchement, je vais m'y mettre direct en fait. Je vais finir cette vidéo et je vais m'y mettre direct. Parce que franchement, ça me tarde. Et du coup, si jamais ça marche, je vous le fais le partage directement. Dès que je le peux, enfin juste après quoi. Parce que franchement, quand on voit le nombre d'items qu'il y a dans le cache et tout, enfin c'est vraiment super. Et puis même si vous voulez faire un serveur loué et tout, ben voilà. Donc là, vous voyez, il y a 4 pages hein, déjà avec ça, des petits chapeaux de sorcière, je sais pas ce que c'est. Bon voilà. Et surtout que cette fois, toutes les catégories marchent. Hein. Je veux dire, la dernière fois, il y en avait une ou deux à peine, et il y avait 3 pages, enfin 3 pages et demie, c'était même pas la peine, quoi. Donc voilà, là 4 pages, hop, là on a ça, avec 2 pages, bon, etc. C'est comme LCUSA ou voilà. Bon, LCUSA d'il y a quelques mois, mais bon, je pense que c'est assez, c'est potable, on va dire. Donc là, voilà.
Et puis je sais pas pour vous, mais moi personnellement ce qui m'attire le plus c'est les pets, les animaux de compagnie, des trucs comme ça. Moi je les trouve super classe. Alors là quand on voit quand même 49 pages, c'est sûr que là c'est pas trop pour rigoler quoi. C'est pour ça, il y a vraiment énormément de choses. Et encore, pour ceux qui savent le faire, vous pouvez rajouter encore des items en dessus. Je crois que c'est avec catalogue, ouais, c'est avec catalogue.lod. Et enfin c'est tout un système. Je pense que peut-être si. On verra, je fais peut-être une petite vidéo dessus. Enfin, personnellement, je l'ai jamais fait, mais bon. Quand je m'intéresse à un truc, j'y arriverai assez rapidement. Donc voilà, vous voyez. Alors, ça, je sais même pas c'est quoi ça. Voilà, les animaux. Alors, ça, Alder, par contre, ça, c'est l'aigle, du coup. Tout ça. Voilà, vous avez toutes les pets. Je crois qu'il y a. Voilà, Jaguar. Excusez-moi. J'ai eu un. Bon, on s'en fout. Par contre, si quelqu'un sait comment on fait un truc. Alors, je vais vous montrer ça directement. Je vais me déconnecter. D'ailleurs, je vais me mettre en admin, hein, justement, pour avoir la classe, quoi. Et puis surtout pour pouvoir montrer des commandes. Alors, tac, très bien. Ok, alors en grand, MySQL, tac, lancer. De toute façon, ça fait combien de temps là? Oula! Eh ben dis donc. Bon, tant pis, tant pis, la deuxième partie fera 50 minutes, on s'en fout, une heure, hein, au pire, ouais, ça va. De toute façon, si vous ne pouvez pas regarder jusqu'à la fin, c'est pas grave. Hein. Donc, DB. Pet, donc ça c'est bon. Characters, ok, donc ça c'est bon. On va le mettre admin. Donc pour mettre admin quelqu'un, voilà, changer le 0 par un 10. Save, ok, donc ça c'est bon. Pas besoin de redémarrer le truc. Hein. Ah, Zenderor report, très bien. Ouais, en fait je pense à chaque fois en fait faut pas se déco en faisant le log out et se reco parce qu'en fait ça bug je pense. C'est bon, c'est comme ça avec tous les trucs comme ça, avec tous les trucs tous les. Ah je suis un peu fatigué là, je vais y arriver quand même. C'est comme ça avec tous les épisodes 2 serveur privé. Quasiment, enfin même serveur privé tout court hein, presque. Mais bon, c'est pas grave, juste à redémarrer et puis voilà. Donc voilà, on se retrouve là, là cette fois je suis admin. Donc slash WHOAMI. Je vous mettrai en description les commandes des admins. Et donc là, hop, nos translations on. Et alors vous allez voir, je vais faire slash create. Ah, mais je vais arriver. 8. Tirer vers le bas, pet. Et je crois que c'est 43. Si je me trompe pas, alors 44, 44, voilà. Donc voilà, là, par exemple l'aigle, je le trouve juste méga stylé. Par contre, justement, j'aurais une petite question parce que bon, je ne sais pas tout faire malheureusement. Si quelqu'un sait comment on monte ça là, bah, le fait qu'il puisse nous suivre, parce que franchement, j'ai déjà essayé. Et c'est un peu la merde. Ça a pas l'air d'être trop ça en fait. Et puis en plus, le fait que ce soit en allemand n'arrange pas les choses. Donc voilà. Peut-être il faut faire reset ski ou je sais pas. Bon bref, voilà, ben ça y est. Donc vous avez votre serveur avec le magnifique coucher de soleil. Serveur Lascaux épisode 2 et donc ben, je vous dis attendez que je regarde la caméra, je vous dis à la prochaine, je déconne. Bon allez, à plus.